Cette vidéo est sponsorisée par PortVPN. Peppa est très impatiente de revoir Georges. Tiens, d'ailleurs, le voici. Bonjour Peppa. Comme convenu, je ramène Georges. Bienvenue à la maison, Georges. Tes parents ne sont pas là? Ils jouent au docteur dans la voiture car maman est tombée malade. Ah, je vois. Papa a dit que maman était très chaude. Oui, on va les laisser tranquilles. Bonne journée, les enfants. Au revoir. Oh, Georges, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Ton opération s'est bien passée? Oui, à l'hôpital, ils m'ont donné plein de glace. Et ils ont même dessiné sur mon plâtre. Regarde. C'est rigolo. Par contre, je ne sens plus mon entrejambe, mais j'ai l'impression que mon zizi est toujours là. Ah bon? Oui, les docteurs disent que c'est normal car c'est le syndrome du membre fantôme. Tu as un fantôme dans ton slip? C'est bizarre, c'est pourtant pas Halloween. Ils m'ont dit que c'était normal après une amputation. Et du coup, tu ne sens plus rien du tout du tout? Non. C'est intéressant, ça me donne une idée. Que fais-tu, Peppa? On joue à la bagarre avec le membre fantôme du slip de Georges. Le membre fantôme? Oui, et on tape fort dessus. Ouh là là, ça doit faire mal. Non, car je ne sens plus mon entrejambe. Mais c'est trop bien! Attrapons le fantôme! Voici Maman Pig. Bonjour les enfants! Bonjour Madame Pig! Ça va mieux maman? Tu as l'air toute brûlante. Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Mais où est papa? Il est occupé, il change les amortisseurs de la voiture. Mais que faites-vous les enfants? On chasse le membre fantôme du slip de Georges! Mais enfin, vous n'avez rien de mieux à faire avec ce pauvre Georges? Ben, l'ennui c'est qu'on ne peut plus trop jouer à Chabit. Si toi aussi tu aimes chasser les fantômes dans ton slip, mets un pouce bleu et abonne-toi!